Salam, salam, la famille. May nuyu ñëpp di ziar ñëpp. J'espère que ñëpp ñu ci jàmm. Tangoor bi aussi xam na yéen koy sentir li ma koy sentir voilà. Donc c'est pas facile. Mais nous jëm rek. Tay na comme ñu ko gisee live bi 3 points yi la ko bëgg accès. Moy campagne bi ñu nek ni campagne électorale bi législatif ou présidentiel non la ko wowe et dina ci ñëwaat lu tax ma wowe ko nonu ak aussi statut du député accès prérogatif ak aussi lan la ni xaar ci 14e législature bi. Donc premier point bi on a vu que depuis le 10 juillet campagne bi doona un peu partout à travers le pays ak diaspora bi gis na ni num fa démé campagne bi bien début bi c'était un peu timide mais dernier jour gis na ni num rythmé et j'espère que lolou lañ tam gis ci campagne maintenant buma né fi ma waxé amna point buma top moy ci introduction moy confusion bi am entre ce discours ak débat yi aussi dina signé parce que link là c'est juste une déduction du premier point donc c'est beau de voir que c'est vivre que bonne campagne moi rencontre bi am entre les acteurs politiques et aussi le peuple ça veut dire que les citoyens qui sont aptes à aller voter le jour J d'habitude au Sénégal période la bo xamni ni lañ koy dundé day intense day focus à travers campagne bi mais ce qui est dommage moi on a dit répété une fois que Sénégal dañu bëgg dem ci rupture Sénégal dañu bëgg dem ci benen anam bu ñuy défé politique mais ce qui est décevant et désolant moi quand on regarde la campagne bu ñu xolé rien n'a changé parce que tay di bu né campagne législative ça ça veut dire quoi on doit élire des députés ño xamné noy les représentants dignes du peuple ñom ñi nga xamné ñom no wara dem voter ji dem représenter peuple bi askan bi à l'Assemblée nationale maintenant man dama am un problème peut-être que man la mais quand j'ai changé avec d'autres sénégalais un peu partout on a da ngay gis ni amna ño xamni no bokku le même problème moy campagne bi est-ce que quand parce que bokoy xol diko analyser bu baax on a tendance à que on est cette campagne bo xamni présidentielle nek na législative parce que c'est beau certes de faire la campagne de drainer des foules mais le format aussi c'est important parce que bu né campagne législative man je me dis que fofu nonou ay liste nous compétir liste bi ay liste titulaire la ay liste suppléant liste titulaire ici nek muy département yi muy liste nationale bi ñom noy dem convaincre askan bi pour nous fallé parce que ñun loolu lañu bëgg et liñ daan gis bu ko tuñ ko gis moy ça veut dire que les têtes de liste qui drainent des foules comme si c'est un rendez-vous entre un homme et son peuple parce que d'habitude présidentiel moy mel non ñu gis ben leader wala ben un grand homme wala une grande dame bu ñëw face ak son peuple parce que là c'est un rendez-vous d'un homme avec grand H avec son peuple. Et là, il y a les discours, il y a tout ce qu'il y a comme promesse de campagne électorale, promesse électorale comme nous le connaissons, et tout ce qui va avec. Mais là, nous avons des problèmes. Parce que nous sommes en 2022. Nous avons marqué une rupture. Nous avons vers une autre manière de faire de la politique. Que la pratique politique, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Politique bo xamni day sobre politique bo xamni day vertueuse politique bo xamni day conséquent moy lan li ni incarner la rupture li ni bëgg ñun cette nouvelle génération là dañ koy wone ci ni campagne maintenant si on voit c'est bien beau de montrer que on a une masse avec ñun de montrer que les gens sont avec nous muy nak de tout bord hein man yabonu saga man parce que on dit que ñu neutre et satané lan c'est pas que je suis neutre mais je refuse d'être pour ou contre parce que man gissawuma nonu politique parce que li ci gëna dommage moy lan on a les grands qui sont là ou les grandes and ak sen mbolo
di def sen show lolou leni gis ku ne di def ses discours ni di wax di dénigrer ni di dal ci ñëlé ni di jox ñenté param on parle de bilan you can hamul mais est-ce que lolou lañu xa tay ci campagne bi pour législative bi nga xamni dañ né 14e législature bi dafa wara marquer la rupture donc rupture bobu fi lay commencer ci campagne bi la manière de battre campagne est-ce que sinon lañ waron démé ba tay parce que boy xol actualité bi tu as tendance à voir que nous, on est dans une campagne présidentielle. On parle de troisième mandat, on parle de réalisation, on parle de bilan, on parle. Est-ce que lol la taille? Est-ce que taille? Sujet bi nous warone na tek moy lol. Maintenant on est dans un pays bo xam maintenant c'est dommage. Il y a le terrorisme intellectuel qui est là. Quand tu donnes ta position, alors que les avis et les opinions sont libres, chacun est libre de donner son avis. Parce que si on se dit que nous sommes dans un pays démocratique, et on exige au gouvernant d'être démocratique, donc on doit pouvoir se dire ce qu'on pense. Et ce qu'on pense, voilà, man lima halad, et amna nyane nyuma watana, on pense la même chose que vraiment, hein, on pensait pas que ni les demi. On s'attendait à une autre manière de faire, à d'autres technique yo xamné yoy lañ soxla parce que ñun dañ révolutionner la manière de faire de la politique dañ révolutionner cette pratique là donc lool déjà c'était à bannir moy deug la wané sa doolé ci politique la bok mais on pouvait le faire autrement si lan les véritables concernés nous am leen bu né confusion dans les discours ak les débats moy bo xolé discours ñu bari boko liré. Tu as tendance à entendre des discours présidentiables. Moi, là, on parle de donner anticiper ça. Madame, est-ce que nous sommes au premier tour 2024? On a l'impression que le premier tour 2024 est nek. Parce que l'idée que nous avons, c'est que nous avons constitué. L'idée que c'est deux choses différentes. Et ça aussi, c'est dommage. Et il y a une déception. C'est que nous avons aspiré à autre chose. Parce que les débats, top le plateau télé, hein, on peut partout, les sites, les radios. Boy de glou, le débat se fait, on met en face les deux camps. Parce qu'il y a trois pôles actuellement. Pôle pouvoir, pôle opposition radicale, et pôle troisième voie. Je sais pas si je vais vous dire, ils ne sont pas du pouvoir ni de l'opposition radicale. Donc ça veut dire quoi? Vous l'intégrer le plus souvent les deux, mais faire en face. Pour le qui n'a def le li qui n'a def li qui n'a yé lu ngén fi def qui n'a alors qu'on n'est pas dans ça tay lan la ñu xaar dans les débats moy lan li ñu gis parce que ñu nof dak topando nof dak jël indi mais li ñu topando lu sax ñun li positif fanen duñ ko topando tay di lan la ñu bëggoon gis dans nos plateaux télévisés que tay di ñu jël liste yi bu né liste départementale pas département. On a département yi bari na hein les 45 départements bu len jëlé tay ñu xol liste bi ñi ko composer ñu tok bu ñi jël tay ñu jël ci fi jël ci fe jël ci fe ñu tok ñom ñi nga xamni ñom lañ wara fal ñu wara dem assemblée ñu wax ñu ñom ci yeen tank leen taxaw ñu wax ñu ñom lañ leen fasiyene def bu ñu démé assemblée ñun tay lañ leen xaar mais pas ay pôle de communication pas un groupe de débatteurs qui sont là de talk de face qui doivent défendre quand qui doivent défendre quand qui de déroule qui de opposer ou et c'est pas de ça dont on a besoin parce que tu dis les débats constructifs ils ne sont là si étape cruciale pour des nuits nous parlons du Sénégal quand on regarde les observateurs internationaux à nous nous exhibons on sait que nous sommes dans une période beaucoup délicate qui demande à être gérée. Oui, nous avons pris en considération. On prend les gangs pour toucher Yenni. Mais il y a une rupture dans la démarche. Mais la rupture, moi manquement de mon constitution au début. Nous rattrapons que la bataille est faite pour dire que oui, ok, comme que nous avons fait l'élection. Mais quand il y a une rupture, tay liñ ko wolona gëna incarner moy lan tay ji tédaliste yi département yi comme ni leen gissé un peu partout tédaliste national ni leen gissé un peu partout mais les gens qui sont investis sur les listes on s'attendait que débat yi ni am que gens nit ñoñu tok diko débattre tay ku ne investir sur liste titulaire ngay joxante ci département wala national ñu en tay no waron tok dans les plateaux tok ci radio yi
tok ci sidi tok un papa tous ci même buñ def proximité comme niñ ko def proximité c'est bon mu tok ñu waxtaan ak askan bi nga wax mu dig ñu xamni ki nek ci liste tel ni la gisse assemblée et mom li la ni xass ci mom té xam nako mu mën ko démé mais plutôt ni ñu ko gisse ni da vraiment il y a plus de confusion qu'autre chose. Maintenant, par rapport à le troisième point, moi, le statut du député, parce que jusqu'à présent, je me dis qu'on a un problème avec ça. Le statut du député. Parce que Taïdi, Degle, Sénégal, le finir comme moi, mon député président là, hein, il m'a signé, ni le député opposition là, il m'a contesté. Donc nak lolou nonou dama yakane moy ñak xam lan moy yow lui sa statut lan la lay xass yow ak ki doit être député et qui ne doit pas être député nous xamni député l'assemblée bi ni ñuy foyé sénégal moy li gëna sacré mëni wa ci ay institution parce que limu symboliser mon fort mom nak mo am doolé ak mën mënu moy li ñu wa ci ay prérogatives saytu tay li ngir di def ak li gouvernement am di def point par point meuna saytu xam mom l'action du gouvernement est-ce que niñ ko waxe non la démé est-ce que li duguna fi est-ce que li génna na fi té ñom rek aussi no am sañ sañu voter ay loi parce que on est dans des pays yo xamné on est dans un ni woy état de droit comme droit bobu ay loi ñuko teunk té loi yoyu dafa bokku ci député ñu nga xamné ñom ñoo am cette prérogative là mais tay di gis nañ fi ay député yu fi fallu ba wacc xamnu sax yalla ma yalla bal li rôle député amna ñu fi nek ba dem tay lu leen xass ñom doxewuñ ko même si on a vu que 13e législature bi biñu def sen bilan ils se sont réjouis d'avoir pu voter plus de 200 lois mais quelle loi ak loi yoy tay ban impact la am si askanu Sénégal c'est tellement compliqué le contexte actuel bi parce que les prérogatives yo bo xamone li ngay xëccu tay man dama xëccu doon député dama bëgg doon député mais tay buma nekké député lan moy député d'abord que man mi sama askan lay taxawal ci pench ndaw rew ni man sama askan ñom lay demal waxal leen man sama askan lay xéxal di leen xolal di jëf à leur nom kon yow lolou boko xamé nga xam timit bo nekké député on doit même pas seulement regarder les avantages mais lan nga mëna def ses capacités moy liñ wax ses prérogatives fan la yam lo mëna def ak lo mënul def maintenant le problème en est que bo démé fofu té yow xamoo lu député ben nga dem fofu té yow xamoo yow lan lay xaar y a problème donc lolou déjà c'est le rôle et la responsabilité de ñi nga xamni ñom noy coalition un peu partout et lol aussi day ñëwaat interpeller wat notre sens de la responsabilité et l'engagement parce que deug la kenn du ni kenn engagé wul kuy dem ci politique amna lo gëm am nga ay conviction ya xamna ces conviction va dans un sens ou dans un autre sens mais am nga déjà yow loy revendiquer mais est-ce que lol di nga mëna doxal mu mëne est-ce que lu mu laaj yépp ding ko man parce que tay buñu né ci statut bi ak prérogative bi mo fi indi won tan yi ci débat yi dégon na ni avant début campagne bi certaine di wax na est-ce que jarul légui dans les critères nous def ni ku jangul do nek député ba mu defon fi ben débat parce que li lo xalat moy nga nek député li ni xass yow nga ñak mëna doxal nga nek député li la walo do ko xam mais man dama ni hel ñep ko am et li ni soxla timit moy am sa flak sa fayda taxaw sa askan ñepp mën leen ko na fekk ra nga nek nit ku deggu nga jang ñak jang nan la outiller ba nga xamni yow wala yow sa bop nga outiller sa bop ba nga xamni yow li ni xass yow di nga mëna matal quelque soit alpha donc lool aussi daf ni indi wat ni la pratique politique qui pose problème parce que tay bo gisé ni defé campagne moy ni ko ron defé 1900 ba tay def sa convoi def say gros bras tek say leader sidi gui foul bi top si nuy daw di faire le show wala nu dem def sen président bu baax tek sen public tok di dérouler di wax et lolou man dama li ñun dañ ko dépasser sénégal fu mu tollu ni on a plus besoin de cette pratique là
Maintenant, la pratique, bi, xam nga lolu lay fessel indi benen problème de la pratique politique sénégalaise moy lan le militantisme parce que nek dans des pays yo xamni pour sax nu fal la dara ben poste de responsabilité dana est-ce que amna nit wala amna mbolo tay bu nu xolé même avant quand on nommait des ministres on misait sur l'aspect technocrate moy ki li la ko bëgg denk est-ce que amna bagage intellectuel qu'il faut est-ce que amna mën bi est-ce que parce que da nga non soxla mission bi ko président di denk nan la kay doxale mais tay pourquoi tay nous am problème avec le ministre pourquoi tay nous am problème avec les directeurs généraux ak yenn poste de responsabilité parce que lan ni len di falé la parce que nan la diw amul mbolo ben ni sa top ko wala ñaan ni top ko donc boko warona denk mu liggéeyal la mu dérouler service à nation boko def nak lan amul mbolo de la même manière quand on investit sur les listes muy local muy législatif on fait allusion à ça on se réfère à ça moy lan ki pou nga tek ci département wala liste nationale nan est-ce que amna base mun la est-ce que amna mbolo alors que base bob ak mbolo bob nonou da am lan lu muy jour en politique moy cet aspect financier là le nerf là de la guerre qu'on dit c'est l'argent hein, en politique argent bob mom ngay tey ces militants après nek ay militants alimentaires même boudé on a vu que avec le pastef lol mo ngi deñ parce que ñom c'est le contraire ce sont même les militants qui cotisent pour financer leur activité qui cotisent pour lol déjà c'est l'une saluer là moi il y a un état de surbu évolué par rapport à ça donc nak lol non lañu bëgg ni politique bi les choix des députés les choix des élus locaux hein mu bañati nek li nga xamni c'est ay base dañ kay xolé même parce que deug la dañu soxla bu ne voter ki ep voix moy gagner mais nañu xamni ki ep voix kan moy fal c'est pas les militants à la base qui n'ont fal de c'est les sénégalais lambda les électeurs qui sont chez eux tok de observer du xol di deuglu ñoñu noy xol ben ki moma day mom lay voter bo xolé même la carte électorale bo xolé les votants bo xolé ñi voter deug li ci ëpp nekkuñu ci ay parti politique bokku fenn ay simple citoyen la ni parce que ñoom ils sont tellement matures que ñoom lañ xol kan mo leen doy ñu voter ak kan mo leen convaincre par rapport à lu ñu proposer donc ce qui revient à ñu xolal aussi cette pratique politique là parce que problème de liste amna bo xolé liste ñu ko confectionner tay dañu waxone 14e législature bi dañu wara miser sur la jeunesse parce que ñepp joy nañ fi ay ati at que on trouve les mêmes hommes et les mêmes femmes à l'assemblée voilà les mêmes types que bobu tay liñ soxla amuñuko on a besoin de réformer cette assemblée là mais la réforme doit commencer par indi banen souffle bu bes indi banen vision bu bes mais lool mënuko am avec les mêmes types c'est dommage que d'ici biñ koy def aussi même bu dey ñen ñi ils ont essayé de tenir en compte cet aspect on l'a pas fait donc lool day ñew aussi l'autre point bi may wax l'attente bi ni am ci 14e législature bi parce que bu dey ñu lon tané lañ tané ba tay liste ñu lon tégué lañ tégué ba tay donc est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose que ça si on voit que la campagne les investis yi nek si liste a pas les têtes de liste lañ ci xam où sont les autres un peu partout tay ni ni yobbo ci plateau yi débat yi ñoñu tay no waron tok ni ci liste yi no waron tok poser le débat entre ñom nous dég un débat ci 14e législature mu mëna sax projeter wu am une idée de ce qui va nous attendre à l'assemblée am une idée de qui seront les différents constituants de cette nouvelle assemblée là parce que tay di on va être un pays bo xamni comme ñun avec un taux de chômage extraordinaire, avec cette crise sociale qu'on vit depuis que mounounou, le problème de l'employabilité du chômage pose problème dans ce pays. On parle de résilience, on parle d'accompagnement et tout, mais on a vu que tay ko wax tay yalla tax bi ni gën la semaine passée avec Tabaski ñep gis nañ ce qui s'est passé et jusqu'à présent les gens vivent la crise nu mu gëna metti. Les prix ne cessent d'augmenter et les gens sont dans des situations vraiment compliquées. Et cette question d'employabilité là,
lan la cette légale assemblée mëna jouer à ça té nak bu né employabilité moy lan l'éducation moy lan la formation moy lan la capacitation des jeunes. Mais taïdi, on a vu cette année, on a eu 3 mois de grève. On a failli passer à côté de l'année scolaire. On l'a sauvé de justesse. Et même taïdi, entre parenthèses, de féliciter les sunuraki, qui ont eu un bac premier tour. Et encore, ils ont eu un deuxième tour à partir de demain. Même si on a tenu à faire les examens, taï BFM Bétail, nous avons aussi nous souhaité de bonne chance, nous candidats et sunuraki. Mais à quel fin. Parce que le système a des problèmes. L'éducation, on parle depuis des années, c'est de la refonte de l'école sénégalaise. Il y a une adéquation entre l'offre et la demande. Bataille, le futur citoyen du Sénégal, en 2035, en 2050, lan lan li bëgg ci mom ak li ni wara def ci mom école bi mo ci wara def kon école bobu lan mo wara nek taxawaye et lolu tay di est-ce que meun nañ ko définir sans les députés parce que tay gox bu né yow bo fa joggé war nga xam tay gox bu né quelles sont ces situations quelles sont les réalités tay bu ni bëggé sénégal bu melni ban type de sénégalais lañu am kon tay la réforme bi ni xassu l'éducation. Cette réforme ou cette refonte totale là, t'es député d'un en wallo bourré. Mais quel député pour porter ce combat? Quel député pour poser ces débats là? Quel député pour le projet ou voilà, ces projets qui vont réformer? Ou ma chose de ta fille réforme totale de l'éducation, ben am quelque chose pour ramener ta mène ta basse sénégalais bini hado parce que depuis 2 ans, on vit la crise des valeurs. On a vu cette violence qui ne cesse d'avancer en crescendo. On se dit, mais le hell. Bani mana tolu si sunu askan tolu si asbebi. Nous n'en lile, lele, lele, lele. Mais là, dans y a qu'une éducation, t'as un rôle pour l'on en moukiko, moukassanduko, ba remédier si nous bani egfe. Donc l'on en y'a n'en kore ligé. T'as dit, nous on parle de la santé. Le système sanitaire, on a vu ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Le fait que Taïdi, dans l'hôpital, qu'on ait maintenant les soucis qu'il y a dedans, ça coûte cher le fait de se soigner, coûte cher dans ce pays. Les gens n'ont pas d'emploi, parce qu'on parlait de chômage, les gens n'ont pas des emplois assurés, les gens n'ont pas de contrat. Dans ta santé, c'est lié à l'aspect de sécurité. Parce que nous, quand on emploi, voilà un emploi, yo hamne c'est pas sécurisé, tu n'as pas de contrat, tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas de couverture santé. Est-ce que quoi nonu, mena am garantie tu fallions, voilà fallions d'abord. Donc c'est tout est lié. Donc t'as dit depuis bien hamne, maman aura t'as bien hamne, n'est-ce qu'il fait avoir bougné au hôpital, mena am prise en charge bien voir, mëna fallu bi war ba paré ni sogay wax ay na fay ak bu mu fay ak liw li ñu xamné yow li citoyen bi malade bi la jëpp dina ko am ñu sogay xol l'autre aspect ak le corps ñëpp dañ koy saluer mais ñëpp xamné ni ñom ils travaillent avec les moyens du bord ça yu dara heavy bo démé ba gis ñom ci yeen condition du liguer da nga testé gemine nga ni comment ils font pour s'en sortir. Je ne sais pas le nombre de médecins pour le nombre de citoyens. On a des plateaux médicaux qui ont des normes. Le matériel fait défaut. Si vous avez des gens Dakar, même dans les autres régions, ou bien même si le monde rural, mais tu as peur. Vous avez ce poste de santé, mais vous avez des gens. Même l'unité fait les premiers soins, parfois, ils ne l'ont pas. Voilà, si vous avez un cas urgence, même pour une ambulance, vous transportez le malade, ça pose problème. Donc, vous avez peut-être des gens là. Tellement vous avez assemblé, c'est tout le ministère de la Santé, vous avez un côté 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 de la projet de loi, vous avez chaque Sénégalais qui fait barrer, vous avez un côté de la Santé, vous avez un côté. Mais ce sont les députés. C'est employabilité. On sait que dans les familles, kenn ligé wala ñaar mo jël charge fagn ba yépp les jeunes sont là bu ñëk dañ lan wax xalé jangul légui kër go dugg xalé ñu am ay masse 1 masse 2 di téglé di dem
waxatuma la ben métier di nga jang niar ba ñett tek diplôme tek tok ci xolé et même si on dit que l'état c'est pas l'état de donner du travail mais c'est la responsabilité de l'état de faire en sorte que liguey am ci dëkk bi mais lool aussi député mën ci dara donc li ni xass député mo bari tellement que waru nekk lo xamni dañ koy politiser diko fowé le choix des hommes et des femmes qui doivent aller à l'Assemblée nationale ñoo nañ leen bay tay ñu wax tay c'était à eux de parler campagne bi ñoo leen waru na dégg ñu wax ñu xam képp ku ne bor bo nekk nga wax yow no gisé ñang bi no gisé liguey bi no gisé santé bi no gisé insécurité bi ci dëkk bi no gisé un peu partout bañu ñu xam ni ñom ha des questions importantes cruciales mo ngi leen di xaar que 14e législature bi bu né op rek ñom xam na ni ñom déjà nu nga ci liguey ba mais lool non du parade bi ñu gis ak show bi mo koy joxe il faut que les gens soient plus sérieuses dans l'engagement soient plus sérieuses dans ce que nous faisons parce que politique il y a pas plus noble que ça. Quelqu'un qui donne son temps, son énergie, hein, ses moyens, hein, xam-xamam, leppam, hein, djokko ben lungam, lolo yi kenn mënu ko fay, Yalla rek moko mëna fay. Kon koku limuy def, da ko wara sécuriser moy lan, mu def ko ci fulak fayda. Moy lan limuy def mu amal ko retour bo xamné askanam bi ka taxa djok parce que quand on fait de la politique, c'est pour rendre service, hein? Askanam c'est pour être utile, ñoon dañ ci mëna gis sen bop. Après day tax ma ñëwa ci banen question muy la bonne gouvernance té 14e législature bi dañ leen di xassi la bonne gouvernance gis nañ fi dit que on parle de corruption on parle de rapport de IGE rapport de coup de compte diou jël na tant de milliards diou fal na jël milliards yi diou li mais lool aussi ça pose problème les rapports qui épinglent ay nit chaque jour té du am suite ça pose problème ça veut dire que dans ce pays là bonne gouvernance ça amou fi wala bu fi amé timit bari wul dañé tan ci niñ kay wax ça veut dire que ko denk fi rek deungal na wala amna lu def ci niñ ka sañ wax parce que on va pas généraliser il y a des gens honnêtes intègres mais aussi li ñuy opaline gis mo ñi xamné day def lu lay neex mais ñoñu tay bonne gouvernance bo contrôle bobu ñu wara am ci ñi xamné dañ leen denk li ñepp mom tay kenn gënu ci yeyu assemblée nationale ken gënu ci yeyo que les députés tay képp ki nga xamné tu as été au service du peuple que dañ la dénk nga doxal après tu dois rendre compte wax lépp li la santone fo ci tollu ak lo ci def parce que ñun suñu dëkk taamul di évaluer on doit évaluer même xeyna ñu bari yaakaar évaluer moy bu nit ki boko joxe mission ba mu paré mais on peut évaluer en cours de mission à mi-mandat ñu évaluer di saytu ba bonne gouvernance bi mu nekk loo xam ne gàkk boo xam ne day dem parce que bu nee dëkk bi amul xaalis dëkk bi am na xaalis de ku ne Sénégal am xaalis da ngay wax loo ne Sénégal am na xaalis lu mu métti métti yaa de l'argent parce que il suffit nga génn ak si campagne bi yenn affaire nga gis ne nit ñi yoon na ne xaalis mais xaalis askan bi lañu jël di fooy xaalis ba loo ko mu dellu si askan bi du dellu si askan bi nu mu ware donc cette question de bonne gouvernance là ba kenn ku ne lan la dénk nga jaayale ko yoon doxal xaalis bi ñëpp bokk alalu réew mi nga teg ka si yoon loolu assemblée bi da see am wàll kon dans les débats tey on devrait entendre les futurs députés se prononcer dans ces questions là ñun loolu la ñoon xaar te loolu lañ soxla bu ñëwaatee nu ñëwa si beneen point bi nga xam ne moom laa bëggoon wax mooy le choix des candidats parce que aussi le choix des candidats xama sànq wax naa si par rapport rek kii bi la base ak mbooloo bi diw da nga koy fal ndax dafa am mbooloo diw da nga koy jël tekk ci liste ndax dafa am mbooloo mais ñuy jël ay des gens utiles des gens serviables des gens yu mën ñu compétent mu xam ne kii mën na lii te gisoon nañ ko mu doxalee nii kon war am nañ si moom yaakaar mu doxalee nii donc toujours cette question là va revenir que tant que Sénégal li jënti wu ni ni ñuy choisir nos candidats mënunu am leneen lu dul li ñuy am parce que aussi le choix définit li ngay ami ëllëg et c' est la somme de ces choix là qui va nous permettre d' avoir une assemblée bi nga xam ne moom dañu bëgg une assemblée bi nga xam ne qui va jouer pleinement son rôle assemblée boo xam ne lépp li ñuy xaas moom dina ko doxal assemblée bi nga xam ne les questions les plus sensibles muy emploi muy éducation muy santé muy formation muy sécurité muy aussi bonne gouvernance assemblée dina si taxaw
Nous sommes dans un point délicat, mais les ressources. Nous sommes dans un pays bien ramené, dans nos ressources. Nous sommes dans un contrat, il fait jars, nous sommes dans une polémique. Tenir ramené les ressources sont là et on va l'exploiter. Il y a un contrat, qu'est-ce qui va se passer avec ces contrats? Comment faire pour réviser certains contrats? Il y a ramené. On a ça avantage ou non avantage. Dans nos laisser carrément, le Sénégal n'aura rien dessus. Parce que y a un miette là par rapport à ce que nous avons commun. Donc, l'on non, député, nous avons mené les gens, nous sommes là. Parce que parfois, les gens, 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 les campagne bi nuy foyé ken waru ko foyé tay législatif yu ñu jëm dafa important parce que yag nañ ko joy 12e législatif dañ ko joy 13e législatif dañ ko joy kala biñ jéxalé ñëpp ni alhamdullah enfin nax lan contane ñu suñu nax lan majorité mécanique dafa nekk di def lu ñew mu jallale parce que lan il est du pouvoir opposition nekk fa lu ñew mu ni dédu yoxu tegg ci la ta parce que il est de l'opposition. Mais l'intérêt du Sénégal dans tout ça, pourquoi d'une toque débattre que nous devons débattre? Donc, député de l'Union, député du tour, nous mandal un donne député, nous avons un député, nous avons un passeport diplomatique, nous avons une manière de nous faire. Nous avons un carburant, nous avons une indemnité, c'est pas ça. Ça a le mérite dans quelles conditions? C'est ce qu'on a apporté au Sénégal. Dans quelles conditions nous jouons pleinement ce rôle. Il mérite même beaucoup plus parce que l'engagement n'a pas de faille. Mais ce qui est dommage, moi, ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que peut-être que c'est un peu compliqué nous aussi. Aujourd'hui, tu sais, la majorité est là. Aujourd'hui, moi, nous avons une femme tête de liste nationale. Man nak on m'attache de féministe, même si je suis activiste, même si je suis de l'opposition, comme on le dit. Quand on a une tête de liste femme, il faut saluer. Tay man, le courage de Mimi Touré, le combat qu'elle a porté, ba nek tête de liste nationale, d'une qu'elle salue en tant que femme. Parce que tay di deug la mënu mako wax parce que boko xamni yow noy bokke fi di wax li mais tay imaginons tay bu ñu amone majorité tay ñu am première femme présidente de l'Assemblée nationale première femme présidente de l'Assemblée nationale après bu ñu amé première femme premier ministre mu ron mam magge boy mom mu nek deuxième femme bi nek premier ministre Sénégal tay mu tay ji mu am probabilité bu ñom bu ñu gagné mu nek première femme bi nek président de l'Assemblée nationale sénégalaise. Mais lol défi la défi bo xamné tay di ding ko warana porter parce que wax nañ ko on a combattu pour la parité, on a eu la parité, mais ñep xamné la parité nous mi démé, on a vu ce qui s'est passé avec la confection des listes avec parité. Tay lol non on n'en parle pas, nax lan on est dans la partisanerie, nax lan opposition la femme, nax lan pouvoir la nek que on va pas saluer cette courage et même cette bravoure qu'elle a eu bataille mu nek tête de liste nationale meuna nek demain président de l'Assemblée nationale tay mu wara nek une fierté pour toutes les femmes tay même les femmes devraient battre campagne pour elle. Je le dis pas pour parce que lan la damay saboter, je le dis parce que dama ko gëm man dama gëm jigen bu gëm bopam dama gëm ni il est temps que nous prouver, il est temps que aussi changement am ci yenn fonction nak rigueur. Quoi qu'on puisse dire, nous sommes amenés de guerre. Quoi qu'on puisse dire, nous sommes compétents. Quoi qu'on puisse dire, nous sommes de faire la faille de ce que nous devons. Comme je disais, nous sommes en statut aussi. Nous sommes salués. Et je ne pouvais pas en parler sans saluer ça parce que aussi, défi la bonne femme. Femme, il y a beaucoup de choses à relever. Et elle est la première exposition pour que nous nous relevions. Nous aussi, nous sommes salués et nous encouragés. Je pense que c'était ça, hein? C'était ça dans l'ensemble. Moi déjà que nous relate les plateaux, que d'abord ben nous sortons moi les élus talk, qu'on y ramène nos les potentiels. Il y aura une certaine élue du peuple demain, par différentes listes, ne confondons pas si nous talk poser le débat sur les questions cruciales, les questions importantes, qu'on y ramène taille mon sortons. Mon santé, mon éducation, mon ressources naturelles,
Moui l'insécurité, moui aussi la bonne gouvernance. Parce que mënounou aussi continuer comme ça dans un pays bo xamné dans ces pauvres en été, on voit les gens, le minimum qui est là pour nous, xamna lu fi nek. Qu'on le voit pas, qu'on le sent pas, parce que ben groupe nous qui dit que faut après de ben suite, on doit en parler. L'employabilité, on est un peuple jeune, avec plus de 70% de jeunes. Yo xamné tay wa jang nañ, parce que bu ñëk jang la ñu wax, taw ñu jang nañ. Capacité les modestes, hein? Nous liguer, les liguer, parce que man, on est dans un pays où on a tellement de milliardaires, mais les milliardaires, nous faisons investir dans l'industrie sont peu, alors qu'un pays ne pas se développer dans l'industrie. Donc les milliardaires voilà, qui créent des usines industrialisées. Agriculture bay ni on peut l'industrialiser mango bay ni ni importer mango cru bi sa muntun ka ni kay importer pourquoi pas ni di fay usine xalé di ci liguey ni exporter mais on mangi ni so mi nawet bi day fess del pourquoi you yep hein plus nak yeneen ressources yi fi nek hein gete jay ni you will be ken muntu ko am il y a tellement de secteurs dans ce pays là où vous voulez milliardaire vous pouvez mettre votre argent gël xalé defalé ay contrats sécurisés ba nga xamni lepp dina gis nga dëkk dëkk ci dëkk amal dëkk ngirin moko gën di bako dëkk yow lolé fal dëkk ba aussi moko gën que nous xamni sénégal ñëpp la té tout un chacun est un député à part entière parce que bo defé sa devoir moy waxa sénégal defa sénégal dina jëm kanam mais nak tay ñi nga xamni ñom la ni wolu ba tek leen ci liste yi ngala way wacc leen duggu leen ci terrain ku ne ya xam parti bo fa parce que man le phénoménalement man je suis dans un mouvement politique qui est dans l'opposition et je l'assume parce que je partage pas la vision. Non, je ne sais pas, vision. Je ne partage pas la pratique politique du pouvoir. Je ne la partage pas. Je suis dans l'opposition. Mais là, je ne suis pas dans l'opposition systématique. Je suis dans le balayer de la terre. Je suis dans le balayer. Nous sommes une force de proposition, cette jeunesse-là. Nous sommes une force de proposition. On a les idées, on a la vision, mais il faut qu'on s'y mette. Qu'on s'y mette là. Li nu wara def nu def ko maintenant ni am chance nak nek ci instance yi nga xamni fa ni décider ngalaw way na ni décider ni nga xamni ils sont sur la route na ni changer attitude changer comportement c'est manière de faire campagne il y a des décennies on en a plus besoin ko ne de won sa morom ni amna mbolo mo xamni ñepp xamni mobilisation moy nek ci ginnaw mobilisation ñepp xamni nan lay démé yoy naxatul kenn banen bi moy dis dénigranté di saganté di yakanté ci ay base ak yoy on n'a pas besoin de ça on veut quelque chose de sain quelque chose de correct bu wané ni le bon exemple gis nga ñun mën nén ko té c'est possible juste que état d'esprit là paradigme yow nekatul na ni changer té ci banen niveau c'était ça tay lima bëggone partager de manière générale ma len di remercier di len jaajëfal bu baaxa baax dilen joxat rendez-vous prochainement inshallah merci et bonne fin de soirée comme on dit.